Salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour un nouveau live sur Duel Links. Oh là là, mais cette OST de Yu-Gi-Oh! Sevens qu'on a eu juste avant, mais elle est juste incroyable. Franchement, laissez-moi juste le temps de mettre de la vraie musique. Après, c'était vraiment la vraie musique. Comme vous l'avez dit dans le chat, genre, ça pourrait être un opening ou un ending d'animé. Genre, vraiment. Voilà. On met cette petite musique en fond, je vais peut-être même mettre un petit peu plus. Ah oui, j'ai pas beaucoup de. Voilà. Voilà, mettre comme ça. Donc du coup, aujourd'hui, on continue la KC Cup. Et surtout, mesdames et messieurs, je vais vous révéler aujourd'hui. Le nouveau playmat que je mets en vente sur mon site yukisan.fr, hein, je vous le rappelle, c'est mon site où je vends des produits Yu-Gi-Oh! Et des accessoires de jeux de cartes. Je vous mets le lien en description, ça existe depuis maintenant plus d'un an, hein, puisqu'on a fêté l'anniversaire la semaine dernière. Et c'est aujourd'hui le troisième playmat que je mets en vente, les deux premiers étant Magicienne des Ténèbres et Magicien Sombre. Enfin, le premier, c'est celui-ci, et le deuxième, c'était le playmat Hypi Mascarena. Et du coup, aujourd'hui, reveal du troisième playmat. Je pensais le faire un petit peu plus tôt, mais bon. Mais bon, voilà. Comment ça, ce n'est pas Roi à la cam remboursée. Impatient de revoir Sevens, d'ailleurs. Bon, du coup, je vais vous révéler ce playmat. Comme vous le savez peut-être, au mois d'octobre, il y a un seul produit qui va sortir. Normalement, il va y avoir les gold box ou maximum gold plutôt. Il va sortir. Malheureusement, ça a été repoussé. Et du coup, il n'y a qu'un seul produit qui va être commercialisé en octobre. Et justement, en fait, ce playmat, eh bien, va justement se baser sur ce seul produit qui est le deck de structure charmeuse. Ils ont fait un deck de structure charmeuse. Oui, bah, j'ai déjà mis Yuki-san dans le chat. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est l'occasion de faire un playmat avec les charmeuses élémentaires. Donc pour l'instant, voilà, on a Ita, la première. Et pour une fois, enfin, Soki, qui est toujours la personne qui s'occupe des designs de mes tapis. Ok, je prends. Voilà, t'as vu une tête, tu prends. Soki, qui est toujours la personne qui s'occupe de mes dessins, genre, elle devait me détester, hein, puisque à chaque fois, je lui disais, oh non, faut recommencer. Alors, enfin, il y avait un personnage qui me gênait, et à chaque fois, je lui disais de recommencer. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de. Ah! Est-ce que vous pensez qu'il y a du délai sur la cam? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a du délai. Oh, je vais régler ça après. Donc. Il serait peut-être temps. Ouais, il y a du délai. Vous inquiétez pas, je vais régler ça après. Hop. Deuxième personnage, la petite Win. Me semble-t-il qu'elle s'appelle Win. J'ai jamais trop retenu leur nom. Hop. Troisième personnage. Ça, c'était le personnage qui me dérangeait le plus à la base. Hop. C'est Eria. Ça dépend des versions. Eria. Et hop. Le full playmat, regardez-moi ça. Regardez comme il est magnifique et du coup bah, je vais vous le mettre ici. Boum! Que vous pouvez déjà désormais acheter sur Yukisan. Je vous mets même le lien de la page. Regarde. Par contre, ça va trop vite. Ça va trop vite. Bon, ok, ça me met l'ancien truc. Le magnifique playmat des charmeuses. Franchement, je suis assez fier de ce playmat puisque pour une fois. Enfin, pour une fois, il y a un lore derrière, enfin un mini-lore, tu vois, il se passe des choses, hein, ça a l'air dynamique. Contrairement aux autres où c'est juste un personnage qui pose, là, pour moi, ça me paraît plus naturel. Il se passe des choses, c'est comme si elles étaient photographiées dans l'action, et ça, c'est génial. Franchement, je suis extrêmement fier de ce playmat, bien sûr, si vous voulez vous le procurer. Vous pouvez le faire sur ukisan.fr si vous regardez sur YouTube, il y aura le lien dans la description. Il faut juste que je règle ma cam, puisqu'apparemment, il y a du délai. Propriété, s'il vous plaît. Hop.
configurer la vidéo, je ne sais pas comment. Je vais lancer un duel déjà. Je vais lancer un duel, comme ça vous n'aurez pas à patienter, mesdames et messieurs. Hop, hop, hop. Non. On va jouer Karakuri, comme d'hab. Et nous allons repartir sur la KC Cup. Let's go. Détection automatique. C'est bon! Il n'y a plus de délai, mesdames et messieurs, c'est bon! Alors, Winsan, pardon. Donc, ouais, Ita, Winda, Eria et Osa. Oui, voilà, Osa, je me souvenais plus. Donc, voilà, tout ça, c'est disponible sur Wikisod comme les Dragons de Légende, série complète. Boum! Alors, du coup, comme ça, vous pouvez. Ouais, non, mais vas-y, prends mes 35 euros. Prends mon argent. Allez-y, allez-y. Je prends! Bon, du coup. On va jouer notre deck Karakuri. Je me suis plutôt bien débrouillé hier. Bon, j'étais pas en live, mais jouer dans mon lit à Yu-Gi-Oh! Duel Links sur mon portable, c'était assez incroyable, hein, franchement. Et je vais invoquer mon Kunamzan. Mettre ça en position de défense. Hop. Et invocation spéciale. Nous allons invoquer ça, boum boum. Elle a loupé un search, allez tu dégoûtes. J'ai loupé un search. Tu voulais que je fasse directement level augmentation? Ok. Tu penses que la méta va changer quand le nouveau monde va sortir? Je pense bien. Je pense bien que ça va. Peut-être lentement. Le temps qu'ils nous mettent des Xyz vraiment très très bonnes. Mais ça risque d'arriver. Juste le double marchand. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut contacter Soki? Sur son Instagram. Sur son Instagram. Si Elec peut trouver. Je sais pas si t'arriveras à trouver. Non, sinon, le temps le tour de mon adversaire, moi je passe. Je vais chercher. Hop. Nous allons ensuite activer l'effet de Bourreille. Passer ça en attaque. Waouh. Waouh. Hop, hop, hop. Voilà, 3 backrows. 3 backrows, c'est bon, le gars, il se dit qu'il est dans la sauce. Modifier les informations, donc du coup. Ah d'ailleurs, les maths. Voilà. Oh, il va détruire une carte nulle. Je sens qu'il va détruire une carte nulle. Pauvre de lui. Hop, alors, Soki. Soki PX, underscore PX. Hop. Voilà, donc la dessinatrice de mes playmats. Hop, Soki. Vous le mettez ici, juste ici. Ok. Et ça, en termes de prix, ça va. Franchement, ça va clairement. J'ai déjà vu pire. Quoique, bon, maintenant qu'elle commence à être beaucoup plus connue, les prix ont augmenté. Après, bon, si tu veux faire un playmat comme ça avec plus de personnages, c'est. Car comme j'investis toutes mes gemmes dans Shiranui, que j'ai à moitié fini, et les mon sabre à un tiers, tu penses qu'il faut que j'économise ou. Je pense qu'il faudrait attendre un petit peu avant d'investir. Ah bon, il faudrait attendre la sortie de la nouvelle box et du nouveau monde. Combien environ? Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend si tu veux juste une tête, ça, jusqu'à la taille, tout le corps. Tu veux un fond, selon si tu veux un fond élaboré, le nombre de personnages, il y a plein de facteurs comme ça. Nissamu, 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 oui. Nishi. Je veux harem nu, 300 balles. Mon playmat Dark Magi, ça m'avait coûté plus de 100 euros, je crois. Les deux personnages. J'ai plus, je crois, un petit peu, ouais, peut-être 130 euros. Du genre. Du coup, je vais placer ça en position de défense, activer. Et ce plongeur!
Merci pour le resub, Itsu, tu fais plaisir. Merci beaucoup. Hop, activer l'effet. Non, je vais placer ça en position d'attaque. Là, il fait quoi? C'est quoi son effet? C'est plusieurs monstres, ça va invoquer spécialement sur... Ok. Terminer le tour. En avance de 4 mois. J'avoue, Itsu est en avance de 4 mois. Ça passe vite 4 mois. Ah ouais, quand on jouera à Genshin Impact, ça passera très vite. J'ai pas besoin des ténèbres. C'est dommage dans Dueling s'il n'y a pas toutes les artisanes sorcières. Bon, artisanes sorcières, déjà de base, est plutôt bon, hein, donc. Ça va. Exemplaire! Et bah justement, Akayami qui resub aussi pour son 4e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Akayami. Hop, vas-y. Oui, vas-y, c'est ça que je place en attaque. Ça manque de leak quand même. Qu'est-ce qui manque de leak? Alors, permettez-moi de piocher, s'il vous plaît. En vrai, je suis tenté de faire le coffre-fort Karakuri. Juste pour mettre ça en position de défense. Et je veux faire une réduction de karma face cachée. Hop, on va placer ça. Fin de mois, littéralement, en même temps, Genshin plus le Nouveau Monde. Les deux vont être durs à farm en même temps. Moi, j'ai trouvé une technique. Mais elle marche pas encore. J'ai trouvé une semi-technique. Vas-y, tape là-dedans. Magie ciné, si on avait plus de cartes magie artisan sorcière, Spell Chronicle plus Patronus qui te fait plus 5 et la magie partout. Oh non, c'est un petit peu chiant ça. Ok. J'ai un cadeau qui n'est pas de l'argent. Comment ça, tu as un cadeau qui n'est pas de l'argent? Ça veut dire quoi? Sacré cadeau. Waouh. Ouais, du coup, ça... On sait pas trop ce que c'est, ça. Ouais, du coup, ça... Ça a été... mal pris. Oh! T'es sérieux? Qui joue Seigneur la Suppression? Aujourd'hui, en 2020. Bon, le playmat s'est fait. Merci, Captain Flash. Merci, Mika. Hibou en PLS. Vas-y, retire-moi ça du jeu. J'aurais essayé. Elle a dit oh non. Ça va. It's okay. Bon, par contre, j'arrête pas de parler, la partie dure longtemps, j'ai une réduction de karma, boum, je vais faire ça, je vais mettre ça en position d'attaque. Je ne peux pas cibler le monstre. Oh tiens, je peux aller chercher ça. Les cartes à défausser. Eh hey. Je peux faire du niveau... Ah, je pouvais... Alors, je... J'avais totalement zappé que dans mon deck, j'avais des synchros. J'aurais pu faire une level augmentation, en vrai. Mais bon... Peu importe. Allez, 34 victoires. Oh, hey, y a quand même 190 gemmes encore à récupérer avec les tampons, là. Bon, après, j'ai juste envie de dire que je suis à 9999, quoi. Bon, la version restart est plus stable. Tu parles de Karakuri? Je le rappelle à ceux qui viennent d'arriver, hein. Vous pouvez vous procurer le nouveau playmat charmeuse hein, sur mon site ukisal.fr. Eh, est-ce qu'il est pas trop stylé? Est-ce qu'il est pas trop beau? En vrai, je le précise encore une fois, mais... Enfin, je l'ai même pas précisé, mais... Il n'y a pas le logo Yuki-san quand vous achetez le tapis, hein, la watermark. C'est juste pour pas qu'on me vole le design quand on est sur mon site. Bon. Je vais... Je vais... Invoquer. C'est pas ouf, ce qu'on a. Dépenser gemmes pour ne pas perdre. Non mais ça va, les gemmes que j'ai dans mon coffre, elles expirent le 14 octobre. J'ai le temps. J'ai le temps que la nouvelle box sorte, fin du mois. Et après...
pense tout. Accord, un playmat avec les artisanes sorcières. Je préfère faire mes playmats selon la hype actuelle sur, sur le jeu. Donc du coup, bah, la hype dans un mois, ça va être le deck de structure charmeuse, donc j'ai fait ça. IP Mask Arena, en vrai, c'était en dehors de la hype. Il est vrai. Mais Magicienne des Ténèbres et Magicien Sombre, c'était à la sortie des héros magiques. Janvier aussi. Ok. Nissan. Ok. Je tombe que sur du DDD en DNV, en DNV 18. Ce playmat a l'air d'aller très bien avec un prochain deck de structure. Justement, c'est pour ça. Le deck de structure sort en octobre, fin octobre, et du coup, je me suis dit, hé, hey, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Hop. Les dragons version magicienne des ténèbres. J'avoue, ce serait trop drôle. C'est pour ça que tu joues aussi le playmat charmeuse sur Duel Links. Mais oui, c'est totalement... J'ai oublié ça, mais j'avais ça. DDD en DNV 18, le deck est pas méta pourtant, ouais. C'est vrai. Bon, c'est pas ouf ce qu'on a en vrai, la neige va revenir. Vraiment pas très content de ce qui se passe. Permettrait de changer la position de combat avec la réduction, après ça revient. Magicienne Dragoon. En vrai, mes prochains objectifs de playmat, ce serait peut-être de faire un petit peu de personnalisation. Enfin, c'est-à-dire changer des tenues, pas faire des. Enfin, de faire des monstres qui ne sont pas forcément fidèles à l'illustration originale. Genre, je ne sais pas, comme vous le dites, genre Dragoon, mais version Magicienne des Ténèbres. Ça peut être drôle. Je sens que le nouveau Playmat Seigneur Lumière, j'achète. On verra bien si je fais un Playmat Seigneur Lumière. Mais bon, il me faudrait un dessinateur qui sache faire ça. Malheureusement... ça, c'est renvoyé dans la... Ah non, ça me renvoie à rien. C'est juste, ça va me le détruire. J'active l'effet. Invoque elle. Sauf que Dragoon sera ban dans moins d'un an, c'est vrai. Il m'a tarpi pour ce jeu. Tu fais Dragoon en playmatch, je te le prends dans les 30 secondes après l'annonce. Le problème avec... J'ai qu'un seul contact en termes de dessinateur. Et elle est plus douée en termes de waifu. Les Ouzbendo, les monstres, c'est pas trop son truc. Les Ouzbendo, c'est... pas son domaine de prédilection. Ninichi. Mais Ninichi, là. Il neige qui revient. Tu l'as eu au complet, le deck L noir? Ah, tu l'as au complet, le deck L noir? Non. Non. Comment je me débrouille ici? J'active l'effet de Kunamzan, mais ça en position de défense. Position de défense. Donc je peux pas retirer du jeu. En plus s'il a une foudre, ça me fait un petit peu chier. Je peux la passer niveau 8, j'invoque l'autre. Enfin niveau 6, puis 8. Je fais du niveau 5, je récupère un monstre depuis mon cimetière. Oh d'ailleurs c'est deux syntoniseurs, je suis un gros bouffe. J'ai pas fait gaffe. Ouais, je me suis bloqué. C'est même terrible.
Je viens de reprendre sur Duel Links après un an d'arrêt. J'ai investi mes 9000 gemmes dans Valkyrie. Je crois que j'ai fait une erreur. Non. Terrible désillusion. <là. rire> Change ta version de... Mais calmez-vous là! Laissez-moi! Oh. Le pire, c'est que je l'ai mis en position de défense. J'aurais pu le placer en position d'attaque. Mais comme un gros pouf, je ne l'ai pas fait. Mais il a... Ah oui, il aura... Ouais, vas-y. Je l'aurais pas celle-là. C'est compliqué le match-up en vrai. Oubliez la sœur de Shark en waifu. Witchcrafter sans Lightsworn, c'est méta ou pas? Oui. Depuis la ban, enfin tu joues un petit peu moins Seigneur Lumière avec. Mais ça se joue totalement à sans. Avec moins d'engine. T'inquiète, à la sortie d'Exal, t'auras ramasses gemmes. En plus de ça! Et si tu veux des gemmes, bah il y a toujours l'événement. Il y a toujours la KC Cup hein, qui t'en donne beaucoup si tu ne l'as pas encore terminé. Un petit peu moins fort. From 2, 3 renforts et 2 renforts. Ouais, la diff. Bah voilà, un petit peu moins. Toujours moins. Il a défaussé une navigation pour invoquer le mystérieux. C'est que sa deuxième carte est une navigation. Voilà. Faudra faire gaffe avec mes magies, hein, puisqu'il peut en annuler une avec la navigation. Faudra aller chercher les Kara dans la box Revolution Building. Oh, bah, ça. Ferme-la, Yugi. Shut up, Yugi. Ok, bien sûr, fallait s'y attendre. Ninishi, la Komachi. Donc, du coup, tu voulais que je fasse comment, Elec? Tu voulais que je fasse level hog? Non, non, on peut pas faire level hog. Si. À 5. C'est quoi dans cette situation que tu me conseilles là? Là, tu peux pas. Fais tes plays plastiques. Du coup, j'avais dit. Ok. Du coup, il me manquait quoi pour. Qu'est-ce que j'avais en plus la dernière fois pour faire mes trucs optiques? Ah oui, j'avais lui déjà dans ma main. Non? Non, j'avais déjà. J'avais été le tuto. Oh, oh, non, mais je clean le board, monsieur. Ah, monsieur, vous inquiétez pas. Hein. Ok. Position d'attaque là. Le monsieur. Invoque spé. Invoque. Voilà mon petit bourreille qui va invoquer mon non synthoniseur de niveau 5, Kulamzan. J'ai cru que j'avais Bisclic. Pas y péter un câble. Position d'attaque. Il est fait. Ah oui, j'ai pas grand chose en vrai. Attaque, ok, ouais. Ouah, non, j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû faire le contraire puisque ça elle va repasser en attaque. Oh, ça c'est bien ça. Voilà, 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 voilà. Voilà. Non, ah, il fait 200 points de dégâts en plus. Ni ça, non, main. Ouais, sinon j'aurais pu clean le board. Ce serait cool de voir Teledad. Teledad, c'est un petit peu énervé, hein. Mec. Je ne sais pas ce que tu comptes faire avec ça. Ah, c'est vrai qu'il est en plus... Je suis juste obligé de le laisser attaquer, hein, puisque la navigation, bah, elle est bien. 2700, tu vas me détruire un de mes monstres. On va taper dans ça. Faire courir beau. Marche pas. Ok, mon sang. Là, t'as go. Bon.
Alors, là, ce qu'il va falloir faire, c'est tenter le coffre-fort. Tente le coffre-fort. Si ça le met en position défense, c'est pas trop grave. Ça me permettrait d'aller chercher mon synthoniseur pour refaire un niveau 7. Il fait la navigation sur ça! Il fait la navigation sur ça. C'est le moment. Voilà. Position d'attaque. Là. J'attaque ici. Pourquoi j'oublie toujours qu'ils sont obligés d'attaquer? Non mais c'est pour flex. C'est pour flex en fait. C'est pour flex. Ah, je réinvoque rien, je vais encore me tuer. Le pire, c'est que je peux plus rien faire. Si, je peux faire Atago. Oui, après, oui, la plus grosse erreur, c'était Ninichi, mais bon. Mais arrête de faire semblant de faire des erreurs, finis-le, STP. Oh. Allez, monsieur! Ouais, mets-le en position de défense. Parchemin d'anatomie. Ouais. Ça peut être quoi, face cachée? Ok. Face. Pas de chain. Mais que deux persos level max, Kaiba Mokuba, Yugi, DM level 28, j'ai donc max de perso à up pour les gemmes, je me demande quel est le plus efficace point de vue optimisation du temps. Atago, Karakuri. Non, tu ne vas pas tuto. Tu n'iras pas tuto, monsieur. Du coup, si tu veux augmenter le plus rapidement possible tes personnages, faut juste faire plein de duels. Hein. Pas d'astuces. Ou alors tu demandes à tes potes de t'envoyer les vagabonds. Aussi. En plus, je peux draw. Attention, il a une magie vitesse. Ça me fait pareil. Hein. Bon. Alors, monsieur, une phase. J'aurais pu retirer du jeu sa carte là, au tour précédent avec mon cyclone. J'aurais pu mettre. Oh, pas mal ça. Ça, c'est la bonne draw. Le cyclone au bon moment. Ouais. Tellement le bon moment là. Voilà, 1200. Terminer le tour. Oh, allez, tu pioches aucun monstre là. Enfin, si au prochain tour tu pioches un monstre, je te le retire du jeu avec la réduction de karma. Je m'en fous. J'ai pas envie. Troisième round. Hey. Hey. Je hint si je fais ça? Non, il va passer en position de défense après. Je vais chercher ça. Voilà. Oh là là, c'est bon, on termine. Yes! Et la World of D. Oh non, ça aurait pu être terrible. Mais là. Là, mon adversaire qui doit juste me détester. Hein, il a vu que j'avais BM avec mon. avec mon monstre qui m'a mis à 100 points de vie. Être spirituel plus méta, mais reste strong en raider. Ouais, il y a beaucoup de decks, de toute façon, même s'ils sont plus méta, considérés comme méta ou étant dans la tier list. Je veux dire, ils sont toujours bons. Ça fait 2 jours que j'écoute l'ending de l'épisode 13 de Seven. Ça, quel plaisir. Ah là là là. Franchement, ceux qui sont sur le chat, si vous n'avez pas regardé les derniers épisodes de Sevens qu'on a fait en live,
Donc les épisodes 11 à 13. Bah, déjà, vous pouvez retrouver la rediffusion sur Twitch totalement gratuitement, vous n'avez pas besoin d'être sub. Et ils étaient géniaux, juste. C'est. Là, tu te rends compte que Seven, c'est. Waouh! Juste ouf! Pina chichi! Parchemin, c'est tellement le truc. J'ai envie de piocher deux, mais bon, c'est pas incroyable. Hop, activé. 2 sur 4, GG. Comment ça, 2 sur 4? Qu'est-ce que je me rappelle? Ok, invocation spéciale. Position d'attaque. Activer l'effet du bourreille. Je vais invoquer le Kulamzan. Position d'attaque, peu importe. Ouais, il y a un plus 3 en draw. Il va faire plaisir. Bon, attendez, il faut que je le mette en défense. Non, il faut que je le mette en attaque. Comme ça, avec mon effet, je le passe en défense. Non! Je le mets en défense. J'active l'effet, il passera en attaque. Et s'il fait, il se fait attaquer, il passe en défense. Donc il faut que je le mette en défense, le monstre. Toujours du mal avec ça. Bourreido. Hop. Nissan! Position de défense. J'active l'effet. Allez, 3 pièges. Et on est bon, hein. C'est pas ouf. C'est pas le mieux. Ok. Terminé le tour. On pourra t'ajouter sur Genshin Impact ou ce sera comme Duel Links. Genshin Impact, y a pas de système d'amis. Ou en tout cas, je ne sais pas s'ils ont modifié ça. C'est genre, t'as un ID. Et si tu veux rejoindre quelqu'un, tu lui dis ton ID et après, il peut te rejoindre. Bon, après... Je pense que de toute façon, ce sera comme Duel Links. Hein. Si je fais de la coop, c'est avec des gens que je connais. Sauf exception. Peut-être y a des lives où je serai là. Bon, tiens, il nous manque quelqu'un. Hop, on prend quelqu'un du chat. Éventuellement. Nissan, la voiture, l'ancienne ref. Non, nous, on est là pour les vrais refs. Les Nissan. Les bons Nissan. Hein. Waouh. Ah non, Subterreur. Comment ça, Subterreur en 2020? Oh, le problème, c'est que là, je vais prendre tellement cher. Recall, ouais, tu l'avais call. Joker face down. Oh, en plus, il a 3 cartes face down. Vas-y, retire-moi ça du jeu. Et retire-moi-en une autre. Celle-là, les deux là. Ah, il y avait le combat final et un cyclone. Bon, le cyclone s'est claqué. Oh! Si tu me dis que c'est un cyclone cosmique... Ça me fume. C'est un cyclone cosmique. Ça me fume. C'est un cyclone cosmique. Ah non. Putain. C'était un... Ça l'était vraiment un. Ça se gère bien, cette terreur avec Karagoué. Non. Non, en fait. Bon. Il faut que je passe son monstre là en position d'attaque. Ah si, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais. C'est ça. En vrai, il sert à quoi le chat mondial qu'il utilise? Personne. Sur Duel Links, les gens pas très intelligents, quoi. Du coup, nous allons faire la Komachi. Est-ce que j'ai besoin de tuto ou autre chose? Alors, j'aurais pu piocher un de plus.
C'est vrai. Sprinter samouraï. Hop. Destructeur samouraï, posé. J'attaque. Il ne peut pas activer ton effet. Et j'attaque ici. Eh, comme quoi, quand je réfléchis des fois. Eh. J'étais pas dans mon état. 9000 IQ. Je l'aurais ruiné, hein. J'aurais été là. Oh, je peux pas passer. Abandon. Il avait un job, ban ta level 4, mais non. Que veux-tu, hein? On peut pas tous être aussi intelligents que moi. Paolo, on a affronté Pablo et maintenant Paolo. Dingue! Regardez ce magnifique playmat que vous pouvez avoir sur yukisan.fr. Regardez-le! Il est si beau. Il est si beau. C'est dommage que ma cam ne rende pas tant hommage aux couleurs de ce playmat. Alors, est-ce que c'est une game de montée? C'est une game de montée, les gars! Regarde en Duel Links. Là. Ah. Bien sûr. Killy. Quoi? Allô? 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 Exodia? Au secours. Alors, du coup. Mais j'ai toujours la main pour faire la combo, c'est dingue. C'est une dinguerie. Invocation spé, j'invoque lui. Et quelle heure? Ah, je sais pas si on aura le temps de faire le DLV max. Si on peut, on essaye. Hein. Du coup, il faut pas que je ruine. Hein. Il faut invoquer ça. Position d'attaque. Si tu perds, c'est que le deck en face est opti. Avec cette main. Surtout avec cette main, quoi. Alors, je vais mettre lui. Le Nissan! Hop, activer l'effet. Vous pensez que sur YouTube, il y a encore des gens qui vont me dire « Mais tu prononces mal le nom des cartes. » Mais c'est Nissamu, c'est pas Nissan. 6-2. Hop, terminé le tour. D'ailleurs, il est où Ravel pour... Oh, Elec, quand même. Quand même. Pas long. Deux cartes face down. Allô? Je sais ce que tu comptes faire. Mais en fait, j'ai juste à faire réduction de karma. Mince! Oh, j'aurais dû faire la réduction de karma. J'ai troll. J'ai troll, j'aurais dû faire la réduction de karma sur son bras, il aurait été là. Abandonne. Aucune chance de gagner. Oh, noyade. Pas mal. La prochaine fois qu'il invoque une partie d'Exodia, hop, je mets le petit bras. Je lui retire du jeu la carte plutôt. Ah, Tago. Oh là là, Tago. Ah, j'aurais pu piocher. Mince. En gros. Je prends trop la confiance contre son deck Exodia, là. Bras droit de l'interdit, il pioche une carte. Vous pensez qu'il a une deuxième noyade? Il y a un truc qui chainait, non? C'est pas une noyade. Il a 25 cartes dans son deck et il top deck 2. Plein cosmique. C'est très dangereux ce que je fais. Hein. C'était sûr. C'est honteux. Et oui, mais bien sûr que c'est honteux. Bras droit, tiens, je te fais une réduction de karma. Tu gagneras pas en ayant Exodia dans ta main. C'est mort, dégage. Bon, ça va qu'on a Atago, donc peu importe ce qu'on top deck en monstre Karakuri, et bon, top deck pas, mais voilà. Oh.
Oh la noyade! Oh la noyade, c'est terrible! Une partie d'Exodia. Il va me faire 1000 de dégâts. Non, il me reste 1000. Je vais pas piocher de monstre. Non! Oh non! Pas de bras, pas d'Exodia. Après, il a récupéré sa partie d'Exodia. Oh, il a... Mais non! Fais pas ça. Yo. Oh, il a un magicien silencieux! Mais qui joue magicien silencieux? Ah non! Y aura-t-il une session? Non, là, c'est le road to DLV max, les gars. Road to DLV max. Quel beau duel! Ça me fait pas rire. Ça ne me fait pas rire. Tap tap. Donc ça. Ça pue, ça pue. Il était au petit. Tier 2 Karakuri, il fait peut-être pas une fine tier, il se tient. Oh là. J'avoue, son deck est full opti. Full optimisation pour avoir les deux noyades dès la main de départ. Réel plaisir. Vraiment pas ouf. Hop. Nissamu. Nice. Boum et boum et boum. Je vais invoquer le bourreille. Je suis informaticien, tu crois que c'est possible d'implémenter ce genre de jeu? Comment ça? De quoi tu parles? Active l'effet de bourreille. Et qu'il passe un karma cut. Allez. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah ok, illusion magique. Donc un magicien sombre en face, DM Brick. Quand tu commences avec ton DM, t'envoies ton sorcier du crépuscule avec l'illusion noire. Non, Alex, t'es passé du côté obscur, pas Karakuri, mais dès que je vais passer sur un deck méta, je suis dans le côté obscur, mais qu'est-ce qui se passe? Plus le deck vient de sortir. Kulamzan! Vas-y. Ok, on va mettre ça sur lui. On va annuler ses effets. Il suffit de voir GitHub de Edo Pro pour comprendre que coder Yu-Gi-Oh! C'est du boulot. Comment ça me sent? Il a été tuto qu'un seul magicien sombre avec son. Avec sa carte magie là. Ah non, il a défaussé avec. Y'a rien qui chain. Comment ça, y'a rien qui chain? Retire-moi ça du jeu. Pas une navigation du coup. What? Attendez, remettez-moi les logs. Il a ajouté qu'un seul magicien. Comment ça il joue qu'un seul magicien sombre? On est où là? Encore noyade. Non! Arrêtez. Arrêtez, je ne veux pas de ça. Pas de noyade. Bourreido. Éventuellement activons l'effet de Bureido. On va mettre le Kunamzan, position d'attaque. Voilà, alors mec, voilà. Hop, repiocher. Parchemin. Là, même s'il a sphère courir. Bah non, il a. Je sais même pas ce qu'il a en main vu qu'il a déposé son magicien sombre. Ça hint en face pour compenser le hint d'Alex. Eh. Hey.
J'espère que la nouvelle box va enfin mettre le deck pingouin de Jean-Tony en tier 0. D'ailleurs, demain, nouvelle vidéo sur Duel Links. Hier, j'ai pas pu en mettre. J'avais pas le temps. Oh, ouais, il faut que je vous raconte ça. Il faut que je vous raconte ça, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, il va m'arriver quelque chose. Je vais me faire opérer. ça a l'air plus sombre que ça ne l'est, hein. C'est pas vraiment sombre. Je vais me faire opérer, mesdames et messieurs. Oh là. En période de Covid. Terrible. Rien de grave, vous inquiétez pas. Ouais, des yeux. Du cerveau, peut-être, pour nous, histoire de Bresson. Non, mais... Je ne pensais pas que la première opération que je me ferais dans ma vie, ce serait pendant le Covid. C'est quand même terrible. Tu vas être papa. Ouais, voilà. Voilà, je vais être papa. laissez-moi juste faire ma combo et on en parle. L'arrivée de Zexal une semaine plus tôt. Imaginez! Eh, franchement, s'ils nous sortent Zexal le jour où je vais me faire opérer, je leur dis, bah, finalement, j'ai pas envie de me faire opérer. S'il vous plaît, repoussez. Mais en fait, donc, mon opération, c'est des ongles incarnés aux pieds. Et un à chaque pied, donc c'est terrible. Donc en soi, c'est plus... C'est pas quelque chose, j'ai pas un problème de santé. C'est juste quelque chose de chiant dans mon corps, qui sont mes putains d'ongles. Donc du coup, bah, je suis obligé de me faire opérer. Hop, invocation. Nique ta santé, je dois... Nique ma santé, je dois tourner les vidéos YouTube. Et c'est ça en plus. Eh oui, bon, ça fait mal. Mais en plus, c'est à chaque pied. Ah, donc, Ouais. Bah non, c'est les boss... Bah non, c'est les boss parce que tu pourras... Tryhard, hein. Genshin Impact. Du coup, je vais... Après, je veux dire, s'ils sortent Zexal le 22, eh, c'est bien. Mince, dans ma tête, attendez, je réfléchis à ce qu'il faut que je fasse, là. Qu'est-ce qu'il faut que j'invoque? Je ne sais pas quoi invoquer. Oui, ça. Position de défense. Bon. Voilà. J'ai eu la même opération que toi. Oui, donc en fait, c'est quelque chose que je traîne depuis des années. Et j'étais là... Enfin, j'ai été voir mon généraliste et je lui ai dit, bon, là, il y a un problème quand même. Mon pied, en fait, ça commence à être un petit peu gonflé d'un côté. Donc je suis là, bon, il y a un problème, là. Il me dit, non, mais pour plus avoir de soucis par rapport à ça, hop, on coupe le pied. Il me coupe le pied entier. Non, du tout. Non, en fait, il m'a expliqué, il faut... En fait, c'est parce que l'ongle est trop large. Donc du coup, il va falloir couper une partie. Après, il va falloir faire des trucs. Bon, c'est horrible. Mais en fait, le problème, c'est si tu veux te faire opérer en 2020, Alexandre Becky. Non, je vais pas. Non, je crois qu'il faut juste que. Enfin, à la base, ils m'ont dit. Faut juste rester à la maison pendant une semaine après l'opération. Et après. Tout va bien. Tout va bien, j'ai envie de dire. Hop, Ninichi. Du coup, ce qui est... Oui. Si tu veux faire une opération en 2020, t'es obligé de faire le test Covid. Donc du coup, bah... Voilà. En fait, je ne sais pas ce que j'ai le plus peur. Ce dont j'ai le plus peur. Qu'on me charcute les pieds? Ou qu'on m'enfonce un gros coton-tige dans le nez? Comme ça, là. Oh non. Je pense que j'ai plus peur du coton-tige, finalement. Et ça, je le fais jeudi. Il faut que je fasse le test jeudi. Pour me faire opérer le lundi. Quand on dit c'est 15 secondes l'opération. L'opération c'est 3 quarts d'heure, ils m'ont dit. Donc bon. Alors, Nishi. J'ai déjà eu il y a 2-3 ans 3 ongles incarnés à opérer en même temps. Et t'as intérêt à prendre des doliprane après car la douleur va se réveiller et avoir très mal. Je suis un bonhomme. Bon, après le gars m'a dit. Après, j'imagine bien que ça fera mal, bah c'est bon. Moi, je prends pas de médoc, par contre. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Moi, je prends pas de médoc. Hein. Jamais. Si ce n'est pas nécessaire, même si je douille, j'ai pas envie. Du coup, qu'est-ce qu'il faut aller tuto, là? Qu'est-ce qu'il faut aller tuto? Va être anesthésié.
Anesthésie locale. Le gars m'a dit, si vous supportez pas... Enfin... Attendez. Faut que je fasse rapidement tous mes trucs, là. Sinon, je vais ruiner. Il reste plus qu'une minute. Anesthésie locale, il m'a dit... en soi, vous avez le choix. Vous pouvez éventuellement... Réfléchis, mec. Réfléchis, vas-y. Bon, en vrai, je suis tenté de lui retirer du jeu sa carte face cachée, puis faire Karma Cut sur l'armature et je gagne. Jusqu'après, il va récupérer mon monstre, c'est un petit peu chiant. Contre l'ordre ennemi. On est toujours en main phase, hein. Activer l'effet. Voilà, repasse-moi ça en attaque, s'il te plaît. J'active l'effet de réduction de karma. Hop, hop, hop. Je vais passer ça en... Je vais retirer de ça du jeu plutôt. Ça fait quelque chose quand c'est retiré du jeu, ça? Non, tu vas juste tuto tes golems. Voilà. Du coup, oui! Alors, le gars, en fait, j'ai été voir mon anesthésiste hier. C'est la plus grosse arnaque que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que les frais d'anesthésie locale coûtent plus cher, coûtent aussi cher que de me que le chirurgien pour faire les ongles. Horrible. Mais le pire, c'est que j'y vais, ça me coûte pour aller voir l'anesthésiste pour qu'il me demande est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Est-ce que si, est-ce que ça, il prend ma tension. Enlevez le masque, montrez-moi votre bouche. Oh, déjà, j'étais là. Oh, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma bouche? Calme-toi. Oh. Et du coup, après, il me dit, en fait, soit il y aura de toute façon une anesthésie locale. Donc, quelques coups de piqûre, et après, vous sentirez plus rien. Mais sauf que ça peut brûler un petit peu quand on va vous piquer. Quand je suis là. Enfin, il m'a proposé, genre, de m'endormir, de m'anesthésier totalement. J'ai dit, oh, je suis un bonhomme, moi. Un bonhomme, pas besoin de. Tu me fais juste les piqûres aux pieds, c'est bon. J'ai juste pas envie de regarder mes pieds se faire charcuter, c'est juste ça. Du coup, voilà. Et ça m'a coûté d'aller voir ce gars, ça m'a coûté 70 balles. Plus, après, il y a encore à payer. Pour avoir l'anesthésie de mes deux orteils, quoi. C'est horrible. La personne est sacrée, l'intérieur de ma bouche aussi. Coton-tige pour prendre ton ADN et te cloner si ça foire. Tu sais qu'au bout d'un coton-tige, ils vont mettre un micro. Oh ouais, ils vont mettre un micro-puce et comme ça, ils vont contrôler mon cerveau. C'est terrible. Bon, après, y a pas grand-chose à sonder dans mon cerveau, donc ça va, je m'inquiète pas trop. Kara est passé tier 2. Tu te fais un peu chier pendant l'opération, non? Ah, je pense que je vais me faire chier pendant 3 quarts d'heure. Déjà, je serai là. Non, ne me montrez pas à mes pieds. J'espère qu'ils vont me laisser de la lecture. Je vais prendre des mangas. Je vais prendre des mangas. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein. Quasiment rien. Non, t'es défoncé pendant l'opération. Il te donne de la morphine. Ah ouais, c'est vrai, il te donne. Non, il m'a pas parlé de morphine. Hein. Ah, quoique si, le chirurgien m'en avait parlé, mais l'anesthésiste m'en a pas parlé. Voilà, j'ai joué à Duel Links. J'allais dire, je vais passer d'élevé max, mais ce sera après la. Ça va être après l'opération. L'opération se passe après la KC Cup. Ah, mais non, par contre, le Nissamu là qui est. Et ici, ça me fume un petit peu. Bon, alors là, il faut faire 2 niveaux 7, c'est ça? Un petit peu chiant, en vrai. Oh, punaise, mais lui, il est là, ça me fume. Faut que je réfléchisse. Sinon, je la passe level 5 tout de suite et après j'invoquerai un lui là. Ouais.
On peut faire ça. Allez, j'avoue, Dragoon va bientôt arriver dans le jeu. Hop, Nishishi le marchand. Oh, Nishishi! Pas de morphine. Après, ça doit dépendre, hein. Ça doit dépendre les personnes, ou j'en sais rien. Mais moi, je sais pas, on m'a dit. Bah, je pense que la morphine, ça doit être. Ils doivent faire ça, genre si tu te sens vraiment pas bien, si t'as vraiment la nécessité d'avoir de la morphine. Moi, l'anesthésisme, on n'a pas du tout parlé, donc. Ok. Ouais, je vais faire Destructeur Samouraï. Justement, j'étais en train de réfléchir à comment faire 2 synchro 7. Donc, du coup, il va falloir faire comme ça. Destructeur Samouraï. Attention, clair de lune. Je l'ai fait. Ça en position de défense. Le cyclone cosmique, c'est vraiment pas hyper ouf. Là, il va pouvoir aller chercher une fusion. Recherche Rafflesia. Oh, il va y avoir le tuto. Qu'est-ce que j'ai en manga là? J'ai certains tomes de Fairy Tail. J'ai du Shaman King. C'est quoi ça? Ouais, c'est toujours Shaman King. Ah, j'ai du Shin-Chan! 0 attaque Fox for win. What the fuck? Ok. Je vais lui laisser croire qu'il peut faire ça. Wait, ça c'est niveau inférieur ou égal. Ok, bon, il faut. Il balance direct un cyclone cosmique, tu me dégages ça. What? Ah, c'est lorsqu'elle est détruite! Très bien. Je pensais que c'était. Si c'était. What? Activer cette carte? Ça me fume, c'est bizarre, ça marche pas. Activer l'effet de Destructeur Samouraï, ouais. En position d'attaque. Et si, vous voyez, vous avez vu mon cul? Terrible. C'est comme enterrement prématuré. Alors, enterrement prématuré, si ça quitte le terrain. Bizarre. Voilà. Je vais lire ça. Je vais lire ça pendant mon opération. Qui se souvient de ça? La base. Ça, c'est la base. C'est le seul Shin-Chan que j'ai. Tu crois que le 29, on aura combien de gemmes à l'arrivée de Zexal? J'en ai aucune idée. Et l'homme de culture, si je pouvais te serrer la main. Au pire, tu pourras regarder un portrait de la meilleure waifu, Misaki. Misaki de quelle série? Les pans, hein. Les bidous. La Misaki de quelle série? Il y en a plein. Ah, ou alors tu parles de celle d'Over the Nexus? Parce que sinon, j'aurais plus pensé à Misaki de Tsuharu. Et du coup, Misaka est mieux que Misaki. J'ai rien de Misaka en plus chez moi. Terrible. Bon, on prend très cher là. Hein. Bien sûr, Over the Nexus. Qu'est-ce que. Sinon, j'ai des Shaman King. Oh, il m'a déglingue lui là. Ça m'a saoulé. Misaka, c'est FBI, non? Ouais, c'est vrai que. Mais bon. C'est vrai que. Voilà. Misaka de Reigen a aucun charme féminin. Alors. Je pense que je vais te ban. Je pense que je vais te faire. Voilà.
La prison n'est qu'un lieu. Misaka, elle a tout. Faut aller au Nigeria pour ne pas avoir le FBI à ses trousses. Misaka, elle est tout. Une tsundere, super mignonne, mais aussi super badass. Elle est super badass. Vraiment la meilleure. Hop. Petite blague dans le chat là. Rushing bingo go. Et 3 karma en 60 boosters, toujours 1 dans les 20. J'ai ça. Zéro trémite depuis le début, personne ne joue des nouveaux decks. Oui, tout le monde joue les vieux decks, mais c'est pour ça que c'est. Je suis tellement impatient de voir l'arrivée des Xyz. Puisque l'arrivée des Xyz va permettre. Déjà de. Bah. Même si. Les decks sont toujours les mêmes. La façon de les jouer sera quand même un petit peu différente pour beaucoup. Parce que tu pourras jouer les Xyz dedans. Déjà plus. Non, Triamine, c'est pas méta. Ce sera déjà plus mieux. Miyashishi le marchand. Je vais chercher ça. On va sûrement investir dans ma Dolce. Oh là 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 là. Donc ouais, c'est vrai que du coup, j'ai même pas terminé ma phrase. Mais du coup, demain, nouvelle vidéo sur Duel Links. Par rapport à justement l'arrivée des Xyz. Donc une vidéo où je vais vous... Je vais donner mon avis hein, sur quels sont les decks qui vont devenir forts s'ils ont leur Xyz. Par exemple, comme vous l'avez cité, Madolch, Magidolch, quand il y aura les Xyz dans Duel Links, s'ils ajoutent les Xyz, Xyz Magidolch, ça va être très très fort. Du coup, on va en parler durant cette vidéo. Demain à 18h, comme d'habitude. Et j'essaie d'être réaliste, donc il n'y aura pas Evolzor, puisque Evolzor, c'est beaucoup trop fort. Faut se calmer. Du coup, j'ai la réduction de karma. Augmentation de niveau. Quoi, le sujet? Le sujet, c'est les archétypes, enfin les decks. C'est mieux le dire deck dans les noms de vidéos. C'est puisque les gens ils savent pas ce que c'est un archétype. Et les decks qui seront meilleurs une fois que les archétypes arriveront, les Xyz arriveront. Hop, position d'attaque. Wind up, c'est des... Ah, on doit avoir des automates sur Duel Links déjà, je sais plus. Mais en soi, Janto, lui, avait fait une vidéo où il parle des Xyz, enfin des archétypes Xyz qu'il veut voir sur Duel Links, ou qui ne sont pas déjà implémentés dans Duel Links. Là, moi, c'est le contraire, c'est... On va parler des decks... qui sont sur Duel Links, qui vont être meilleurs avec les Xyz. On a le trap qui double les stats des automates Xyz, automate tier 0. Ok. Je rajoute ça à la main. Okay. Émerge esprit. Alors, cible le petit trait du... Oh non. Oh non! Atago! Atago! On va mettre ça en position de défense. Hop. Il aime beaucoup int, Alex. Je int? Ouais, j'aurais dû faire réduction de karma sur le maître. Ça aurait empêché d'invoquer, et je crois que le maître en plus a un effet au cimetière, c'est ça? Pierre blanche ancienne.
Et voilà, sauf que j'avais prévu. Il récupère l'alternative, il va l'invoquer, c'est lui que je vais retirer du jeu. Tout était prévu. Du coup, moi, ça, je m'en fous de ça. Hop, retire-moi ça du jeu. Moi, je me prends ça, là. Là, il y a juste lui qui veut essayer d'activer son effet, mais ça ne s'activera pas. Numéro 38. Numéro 38 pour le deck Blue Eyes. Vas-y, c'est ça. Donc, ça fait quoi, ça? Il fait quoi, lui? Le sacrifice. Intéressant. Ah oui, il est plus sur le terrain, donc... bah non, en fait. Champ libre. Non. Moi, selon moi, les Xyz qui vont... En vrai, dans ma vidéo, je parle des Xyz 7 et 8, mais pour moi, genre, on les aura pas. Son adversaire est un Galaxy Bouffe, parfait. Ah là là. Et pour je pense qu'on n'aura pas de très... On n'aura pas de bonnes Xyz 7 et 8 dès le début, puisque Blue Eye, c'est encore fort, et surtout Magicien Sombre, c'est encore très fort. Donc, à mon avis, on ne verra pas tout ça. On n'aura pas les numéros supérieurs à 1000, à 100. Alors ça, je pense qu'ils arriveront plus tard. On aura les Barian en personnage, ou dans 5 ans. Big Eye OTK. First box, petit Big Eye. Imaginez Big Eye. Waouh. Big Eye, les meilleurs Xyz, c'est le Dark Armed, le Red Eyes, le Galaxy Eyes et le Evil Magician. Je pense que Utopie sera une compétence comme Stardust. Je pense que ce sera comme Stardust, c'est-à-dire que la première box sera à l'effigie de l'Utopie. Et il sera aussi en compétence avec, avec Yuma. Je pense que ce sera un bail comme ça. Ils savent d'ailleurs. Pas vu depuis le début. Bon, Attago c'est bien. Tac. Le challenger héroïque monstre à 4K générique. Putain, temps où c'était fort. Hein. Mais non, il n'y a pas d'Exis pour Chernobyl. Invocation spéciale. Je vais faire... D'ailleurs, j'ai int, non? Ouais, j'ai int. Là, là, il est qui est en train d'écrire que j'ai int. Ivre, il refuse de tuto marchand. Ouais, non, mais... J'étais en train de lire le chat et c'est terrible. Bon. Se faire un destructeur. Mais en vrai, à part Utopie, Yuma a pas vraiment de grosses cartes signature en vrai. Bah, toutes les formes d'Utopie. Utopie et toutes ses formes. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon ace par rapport à certains autres, c'est que c'est un monstre qui évolue au fur et à mesure de l'aventure. Dégage-moi ça là. Du coup, ceux qui jouent Shiranui devront refaire un deck pour redevenir méta. Après, c'est pas parce que un deck ne jouera pas les Xyz qu'il ne sera pas méta. Si tu veux. Genre, c'est pas parce que les synchros sont sortis il y a 2 ans que tous les decks aujourd'hui doivent jouer des synchros pour être méta. Bon, après, c'est un petit peu différent puisque les synchros ça ne se joue pas dans tous les decks. Les Xyz peuvent se jouer dans tous les decks. Et
les decks pourront se débrouiller sans des Xyz. Hein. Ça dépend des archétypes. Il y a des archétypes qui pourront pas du tout invoquer de monstres Xyz. Et pourtant, ils auront les cartes, de très bonnes cartes. C'est comme en... Des fois, il y a certains formats dans le TCG. T'as pas besoin de ton extra deck. T'as clairement pas besoin de ton extra deck pour pouvoir... Ça me fait un petit peu mal au cœur. Hein. Je dois vous avouer. On va... Prends le vide. Ça pour récupérer 500. Ça va rien changer. Donc je disais, ouais. Des fois dans le TCG, il y a certains formats qui te... Où l'un des meilleurs decks, c'est un deck qui ne joue pas d'extra deck. Et c'est pour ça qu'il y a autant de decks aujourd'hui. Enfin, autant. Il y a quand même pas mal de decks aujourd'hui qui peuvent se permettre de jouer la carte... la carte pot d'extravagance. Attendez. Ouais, je me trompe pas, hein. je confonds pas avec... Enfin, pot d'extravagance. Oui, c'est pot d'extravagance. J'ai peur de confondre avec l'autre, là. Qui permet de retirer du jeu les cartes du dessus. Ouais, c'est extravagance. Donc ouais, extravagance... Oh non... C'est pas ouf ce que j'ai. Est-ce que ce serait pas mieux de faire le Kunamzan? C'est quand ta vidéo sur les Xyz, c'est demain à 18h. Donc ouais, pour l'extravagance, c'est genre tu retires du jeu 6 cartes au hasard de ton extra deck ou piocher 2 cartes. Donc tu peux retirer du jeu tout ton deck. Quoi. Angélique, récupère 1400, tu prends les 2600 là, termine le tour. C'est chouette tous parce que je joue que Yugi et Kaiba, mais genre je vois des combos, j'ai jamais vu ça. Après, c'est ça qui est bien dans Yu-Gi-Oh, c'est que... Dans Yu-Gi-Oh, tu peux avoir des decks qui sont très nostalgiques, mais qui peuvent être assez poussés en termes de combo. Plutôt bon. Par contre, ça va pas être plutôt bon, ce qu'on va avoir, là. Donc c'est... Ouais, récupère 500 points de vie. Je trouve que Aromage est chiant comme deck, ouais, clairement. Clairement. D'ailleurs, la compétence duplication, augmentation de niveau, etc. va être nerf pour faire que des synchros. Après, je pense, non trop OP. Ah. À voir, hein. mais surtout que je suis sûr que les personnages... Bro. Je suis sûr que les personnages de Zexal... vont avoir des compétences qui faciliteront les Xyz, tout comme on l'avait eu avec les level augmentation, réduction, tout ça. Ok, l'analyste. Pas un contre-exemple, c'est quand même Artisan en TCG. Il se fout de son extra, mais sur Dueling, ça se joue couplé à Seigneur Lumière. Déjà, dans le TCG, qui joue ça? Pas grand monde. Bon, voilà. Du coup, ça va se mettre en position de défense, mais ça va repasser en attaque après. Brrr. Donc, mettre les mêmes skills que Vaidi, c'est suffisant. On n'avait jamais eu de leaks sur les compétences sexuelles, Elec. Des trucs qui facilitent, je crois pas. Hein. D'accord. Nous sommes bel et bien d'accord. Bon allez, un petit monstre là, sauf le synthoniseur. Parfait, level augmentation, level réduit, level dupe, on utilisera un réglage de niveau.
Quelqu'un qui tryhard le Gilfest sur le chat. Le GIF, le Gilfest. Ton avenir sur la suite du jeu, pendule et lien sur DL ou pas? Je pense qu'un jour on devra y arriver. Hein. Mais est-ce que le jeu sera encore en vie d'ici là? Une question qu'on peut se poser. On va encore la perdre celle-là. Ça m'énerve un petit peu. Oh non! The Battle Phase. Réduction de karma. Je comprends pas pourquoi il a pas invoqué de monstre en fait. Y'a pas de monstre. J'ai pas hâte de voir les lignes sur Duel Links. En vrai, pour moi, ce sera intéressant. Est-ce qu'il y a la place sur Duel Links? En fait, faudrait que le terrain soit un petit peu plus grand. Par contre, on pourrait mettre les cartes entre les deux playmats, là. On va grandir. En tout cas, j'adore. J'adore mes pioches. DLV combien? Puis DLV 18. Il y a un avantage hors gemme quand on passe rang max. Il y a des récompenses pour la deuxième phase. Ou de l'or et des tickets. Pour ce que ça fait. Ça peut être pas mal. Faudrait rajouter 4 zones, 2 pendules et 2 extra monsters. Non, les pendules, il faut qu'ils les mettent direct dans les zones magie piège. Comme ça, si tu veux jouer pendule, tu joues pas de magie piège. Ça, c'est un petit équilibrage. Et enfin, c'est l'équilibrage qu'ils ont imaginé un petit peu trop tard. Et je pense que sur Duel Links, on pourra les avoir juste ici. Ils se diront, bon, c'est pas la même erreur. Le rang max, c'est 20, ouais. Il y a moyen d'avoir le Discord, j'aimerais y faire un tour si jamais j'ai des questions. Hop! J'ai pas Discord! Faites point d'exclamation Discord dans le chat pour avoir le lien du Discord. J'ai pas sur mon stream deck. Voilà. Voilà, vous l'avez mis dans le chat, bien joué. Les pendules, c'est une invoque de l'extra deck par tour. Honteux de ne pas la voir. Mais oui, honteux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? J'ai Yuki-san. Vous pouvez aller acheter le nouveau playmat Yuki-san. Enfin, le nouveau playmat charmeuse. Pas dans le bon sens. Sur mon site yukisan.fr. Hop, 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 hop. Regardez. En fait, il faudrait que je le mette comme ça. Là, pendant tout le live. Bon, par contre, il sent le playmat neuf. Hein. Ça se sent. Hein. Touk. Et moi, je suis pas un grand fan de l'odeur du playmat neuf. C'est comme les voitures, l'odeur de voiture neuve. Horrible. Alors, l'odeur de voiture neuve, c'est encore pire. J'aime pas être dans une voiture neuve. Ça me rend malade. Genre, vraiment. Du coup, je vais faire un Inishi. C'est toujours les promos sur ton site Yuki-san? Non, c'était que la semaine dernière. Il y en a encore quelques-unes sur certains produits, mais il y en a moins que la dernière fois. Réduction, ok, terminé le tour. C'est quoi en face là? Pas vu. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un monstre, un face down. Ah, ça peut être Shiranui. Je pense que c'est Shiranui, non? C'est beau. Playmat meilleur que POV d'Alex. du coup, on va mettre ça. Ok. Quelle est sa carte là? Qu'est-ce que t'imagines faire, monsieur? Attaque. Activer l'effet. Comme ça, on va pouvoir faire du niveau 7. Ah, les chaînes démoniaques, salaud, va. Terminer le tour. Tu peux mettre ton playmat par-dessus le jeu, que nos yeux n'aient pas trop mal. Ok. Attendez, j'ai plus de trucs. Boum, voilà. Allez. Wow! Mais regardez cette carte! Wow!
Bon, alors. Je vais faire coffre-fort, Karakuri. Le mec qui nous voit avec ce playmat, ils vont lui dire, lui il joue à Duel Links. Lui il regarde avec Yuki lui. Hop hop hop. Ensuite, j'invoque Maninichi. Il a top deck sa deuxième chaîne démoniaque. Et ça va me fumer. Elles sont où les Tornades? Nulle part. Elles sont nulle part. Destructeur samouraï. Tu peux pas misplay si on ne voit pas les plays. Exact. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Oh là là. Mais non, son monstre incroyable! Il a quoi? Il a rien d'autre dans le cimetière, c'est ça? Faudrait plus de place dans l'extra ou un pot d'extra dans la prochaine box. Mais en vrai, pot d'extravagance. Ouais, pot d'extravagance, c'est. Pot d'extravagance, je ne serais quand même pas fan dans Duel Links. Parce que. Regarde-moi ça là. C'est win. Lance interdite. Oh non. Après, j'ai quand même mon monstre en position d'attaque. Hein. Il peut pas aller chercher. Mais c'est bon quand même. Vas-y. Le tapis me tente de fou. Il reste jusqu'à quand? C'est juste quantité limitée. Donc, jusqu'à épuisement des stocks. Bon, allez, un monstre qui... Ah ouais, mais non, mais il y a toujours le problème des chaînes démoniaques. Des spectres. Si tu veux voir le prix, il est là. Il est sur le site. Et bon, par contre, je vais pas pouvoir contrer ça. Arc des monstres squelettes. Piocher des fossés. Dépêchez-vous avant que je pique le vôtre pour mon salaire. Okay. Pourquoi j'ai pas du niveau 10 pour me débloquer? Ce serait quand même fort agréable. Vous ne pensez pas? J'active l'effet. C'est quand même bizarre. Oui. Je te mets au défi de réussir à faire toutes les invocations existantes dans DL en un seul tour. Rituel, synchro, fusion, exis et sacrifice. C'est dommage, il n'y a pas d'exis pour l'instant. Épée spectre, il va faire le niveau 8. Non, toujours le niveau, toujours du niveau 6. Il va invoquer Hades. Ah oui, il va réinvoquer l'autre. J'ai pas envie qu'il soit au cimetière. Collection de karma. Invoquer le monstre invocable. Hop. Allez, faudrait top deck un petit peu à un moment. Toi, tu vas passer en position de défense. Allez, va me chercher quelque chose. Merci Volto pour le follow. Oh, il me reste plus que ça. Ah. Il a quoi dans son cimetière? Il a plus de synthoniseur. Hein. Position d'attaque. J'ai juste peur. Je pourrais détruire tout son terrain. J'ai quand même peur de beaucoup de choses. Oh, il peut se remettre hein, si je suis pas assez rapide. Unité de baliste. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un gros bouffe. Merci. Merci. Génial.
Yo! Yo! Oh bah comment... Mais comment se... Comment que ça se fait? L'adversaire aime se faire du moins à deux. L'abandon. Ouais, ouais. Là, il a int comme moi. Peut-être même pire que moi, là. Je sais pas si je l'aurais fait, celle-là. Mm-mm. Il aime se faire du mal tout court. Boum! Regardez le playmat. Comment ça se passe, cette cassée? Ça se passe correctement. Ça se passe clairement, très clairement correctement. DLV 18, faudrait qu'on passe DLV max. Je sais pas si on y arrivera ce soir. Sauf si on commence à être sur une série de victoires. Spécialiste de la magie. Oh non. Oh non. Ichi, la Komachi. Activer l'effet. Inishi. Du coup, je vais aller chercher Inashishi. Mais non, l'opération, ce sera un jour après la fin. Délevé, ouais. Inashishi. En vrai, est-ce que je m'assure d'avoir Atago Karakuri, puisque si c'est artisan sorcière, ça peut m'être tellement utile à l'Atago. Ouais. Après, il y a déjà un live duel links prévu pour samedi. Hein. Est-ce que Karakuri brick des fois? Oui, ça. Bien sûr que ça arrive. Ça peut brick. Ça reste consistant, mais bon. Une carte égale Witchcrafter. Oui. Je le sais bien, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je préfère prendre Atago. J'aurais pu prendre le parchemin, mais après, c'est pas sûr que je top deck le Atago. Et Atago, ça me permet tellement de gérer la Madame Vert. Une carte égale japonais en général. Je vais mettre ça. Position de défense. Oh nice. Ça, je dois vous avouer que c'est plutôt pas mal le top deck là. Le top deck que j'ai ici, il fait mal. Renfort de lumière. Cerf-volant ruide là directement dans le cimetière. Et du coup c'est un Blue Eyes. Blue Eyes Seigneur Lumière. Je sais pas si j'aurais dû lui laisser avoir le cost. Et des fois ça peut être des cartes qu'il a envie d'envoyer au cimetière. Bulbe, c'est vrai que t'as besoin de l'envoyer au cimetière. Hein. Atago. Vous êtes fortiche de deviner des decks dès que les cartes sont jouées. Que veux-tu? Hop. Ouh. Ce n'est pas utile dans ce match-up. Normalement, il joue pas trop de magie piège. À se cacher en tout cas. Brrr. Oh, et c'est bientôt la fin du tour. Lumina, bon, les effets sont annulés. Hein. Ok, donc je vais poser ça. Ça en position d'attaque. Ouais. Alors, j'attaque avec lui puisque ça fera direct les 1800 points de dégâts. Voilà. Et bon, là, il va utiliser le cerf-volant ruide dans le cimetière pour bloquer les attaques.
Quoi? Quoi? Pourquoi pas? bon. Incroyable. Ça fait plaisir d'être contre tous les gens qui hintent. C'est le retour de karma, ça. Oh là là, ce playmat. J'adore. Ce bait, je l'espère tout le temps, ça marche jamais, mais... Versus Alex, ça marche, faut croire que les bouffes s'attirent. Oh, wow. Boum. Gagné, montée de DLV. On passe DLV 19, du coup. Eh, on peut encore passer DLV max avant la fin. Bravo à Duel Links d'avoir rajouté LS sur Duel Links. Ok. Large. Tu vas chercher le Sinto. Oh, please. Please, au secours. La win offerte. Et je fais int. Ah non, c'est pour essayer d'invoquer un monstre à la fin du tour, d'accord. Ok, ok, ok. Hop, invoque. Oh non. Il y a chichi. Bon. Mais il aura le servant Lori dans ma Unamzan. Activer l'effet du coffre-fort. Je vais chercher Inashishi. Pour setup mon back row sur cet OTK. Je me concentre, hein, j'ai pas envie de... j'ai pas envie d'uriner. Bourrey, le shogun, active l'effet. Que je suis tout à fait capable de ruiner avec ça. Toc. Augmentation de level. Hop, je gagne 2 niveaux. Voilà. Donc du coup, je disais. J'ajoute à ma main Atago. Alors, invocation spéciale. No misplay. Pioche plus 2 avant, non? Non, la pioche plus 2, on le fait à la fin, une fois que notre deck aura été vidé. On ne sait jamais, il y a peut-être Sphère Kuribo. Une fois que mon deck est vidé, comme ça, j'ai plus de chances de piocher toutes mes cartes pièges. Et comme ça, je les poserai à la fin du tour. Voilà, j'active l'effet de Bourrey. On ne sait jamais, il peut y avoir Sphère Kuribo. Donc il faut que j'invoque lui. Unisom. Ok. Là j'ai plus rien à tuto. On active l'effet du parchemin. Ouais. Tout ça pour avoir ça. Souk. Souk. Bon après s'il y a Servant Lenroïde là c'est un petit peu plus terrible. Ah il a vraiment quelque chose en main. Eh il avait vraiment la sphère. Il avait vraiment la sphère. J'ai bien fait de mettre les Nissan. Oh, j'aurais dû mettre un coffre-fort pour bait. Non, Judge. L'Atago. Vas-y, t'as rien d'autre.
t'as rien d'autre à part ça. Mais qui a Vermillon. Oh non. Oh mais non. Mais en plus. J'aurais dû mettre le coffre-fort. Pourquoi je mets toujours la bonne carte au milieu? Ils le savent que la bonne carte est toujours milieu. Un dragon esprit. Okay. Toujours feinté, c'est la clé. En plus, mais c'est que comment ça? Que fait-il? What, il est où le mecha? Il est pas là, hein. Là, il était en train de lire l'effet, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il active un effet? Hop. Mais le problème en plus, c'est qu'ici, je suis vraiment pas trop bien. Je suis pas hyper bien. Il va invoquer l'esprit pour retirer du jeu Cyclone, ça je m'en fous un petit peu. Je peux lui détruire l'esprit. Il lui fait 100 points de dégâts. Mais après, il va juste sacrifier l'esprit pour invoquer un dragon d'argent. Le taco est cool. Hop, allez, je pose le coffre fort, Karakuri, je pose ça. Il me faut vraiment une synchro 10. Qu'est-ce que je peux mettre en synchro 10 là et dégager? En vrai, c'est que des monstres à 3000. Hein. Mais le monstre à 3000 n'était pas dégueu. Il ne serait pas dégueu. Du coup, bah. J'attaque. Oui, ça, ça passe. Et je tente l'attaque, il va invoquer le dragon d'argent. Voilà. Voulez-vous continuer à attaquer? Non. Il est pas ciblable du coup. Jusqu'à la fin de son tour. Donc je peux pas... Enfin, s'il me fait le coup d'invoquer un esprit et de me retirer du jeu l'Atago... Ouais, synchro 10, il n'y en a pas les masses en plus. Ouais, 100% il va taper dans l'Atago, il se dit... Ah, il a compris que je ciblais au milieu... Bordel! Bon! Au moins, ça va être envoyé au cimetière. Puisque l'effet est annulé. Ah! Dommage que l'Atago, c'est pas comme la Dark Lord Trap. Ok. Ok, ok, ok. Vas-y. Il lit en toi. Il lit en moi comme dans un livre ouvert. Oh, réduction de karma, ça c'est pas dégueu en vrai. Tac, activer l'effet. Imaginez! Non, c'est pas mieux en interruption. Oh, c'est une providence ultime! Oh, c'est encore un cerf-voloroïde! Oh. Ban la synchro, je m'en fous de ban la synchro. Ok. J'aurais pu changer ton mode attaque pour le kill. J'ai raté quoi? Ah oui, j'ai un deuxième coffre-fort. J'avais oublié que j'en avais un face caché. Ok, bon, ça, il le récupère dans l'extra. Oh non, hein. Je veux pas, hein. Moi je veux pas, hein. Bon maintenant il me faut de quoi faire un samouraï. Top deck.
Oh non. J'ai fait combien de niveau 5? Ok, bah non, c'est bon. Ok, ok. Allez, ça gagne maintenant. Oh, ça gagne maintenant, là. Et là, je fais l'erreur d'activer l'effet de bourreille sur la demoiselle. Tac, tac. Position d'attaque. Salut, Dibalaz. Je vais poser ça. Pas d'effet. 2600. DLV-19, enfin. Allez, c'est combien de victoires déjà? C'est 4? C'est 4 pour le DLV max? Non, mais il m'a dégoûté avec son Kytroid. C'est 5? C'est 5? Ah, c'est 5, mais pas forcément de suite. C'est pour ça que je pensais à 4. Ah oh, bah le live va être plus long. Je couperai le live en deux. Voilà. C'est ce qui va se passer. Ok. Fonction de karma. On va déjà retirer du jeu cette belle petite carte face cachée qui était là. Oh nice. La Trabane. Donc j'ai déjà ça. Donc je vais. Donc je dois aller chercher Inashishi, c'est ça? Bon, de toute façon, je peux aller en chercher un autre, donc je vais aller chercher Atago. Parchemin d'anatomie pour piocher les cartes pour mon truc. Ouais, je vais prendre le parchemin. Donc parchemin ici. Coffre-fort Karakuri. Et ouais, une rediff en plus pour YouTube. Bah oui, puisque maintenant, il faut que je fasse une vidéo par jour sur ma chaîne de rediff. Du coup, il faut que j'aille chercher ça. Du coup, je vais faire l'effet de ça. YouTube, venez sur Twitch. Exact. Je ne le dis pas assez sur les vrais rediffs. Pas sur les vrais rediffs. Ouais. Sur Duel Links. Je vais placer ça, je vais placer ça. Position d'attaque. Pour l'OTK, je ne sais pas. Hein. On verra bien. On verra bien si je le fais. Venez, je mords pas sauf Alex. Non mais on dit OTK, OTK. Qu'est-ce qui va se passer? Encore un cerf volant roïde. On va se faire avoir. Allez, la tuto. Atago. Déjà, Karma Cut plus Atago ici. On est bien. Hop, destructeur. Et on va draw 2. Voilà, j'active, ça va être un Rico, ça va être un réel plaisir. Hey! Hey! Et du coup, c'était un Shiranui. Nice. Du coup, pas de Kytroid. Ouais, ouais, c'était Shiranui, 30 cartes. Première victoire. Allez, encore 4. 4 pour le DLV Max, les potes. Bon, par contre, faudrait que j'arrête de recevoir des mails comme ça, là. Account settings, j'en ai marre. Il faut que je change. Connecter pour dire arrêter. Arrêter de m'envoyer des mails. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que cette main là? J'aime
pas cette main là. Tyrannoïde 34, les souvenirs pour Alex Cog sans utiliser son cerveau. On voit au cimetière, oh, ça active. Ouais, ouais. C'était ça. Ok. En plus, c'est sur un deck magicienne des. Magicienne D. Ah, il a même pas. Il a même pas voulu détruire mon monstre. Ça aurait pu être bon pour moi. Hein. Ouh, chaîne démoniaque. Ouh, Ninichi. Magicienne Ayaya. Pas trop le choix. Zéro immobilité. Faire ça. Après j'invoque un satoniseur, j'ai deux niveaux 7 et je veux TK en vrai. Wow, attendez. Augmentation de niveau. Ouais. Ouais. Je me fais peur là. Attack force 4, ouais. Attack force 4 ou 5. Ouais. Donc du coup, je vais aller chercher la Tago. Ne fais pas d'erreur, Alex. Ne fais pas d'erreur, c'est le DLV max. Au bout des doigts. Pratiquement. Bourreille, le Shogun. Activer l'effet de Bourreille. Allez invoquer le Syntoniseur. Brain lag en stream. Hop, Destructeur Samouraï. Tago. T'as pas de cerveau en ruine dans... Oh, ça peut avoir des cerveaux en ruine ce deck de mort. Non. C'est bon, il n'en a pas. La France te regarde. Let's go. 2 victoires sur 5. Suivant. Plus que 3. King of Yellow. Let's go! Let's go! En attendant, vous pouvez acheter le nouveau playmat charmeuse. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, mais il est là. Ce magnifique playmat. Bien sûr, le lien est juste ici dans le chat. Bon! Mesdames et messieurs, c'est un premier tour. C'est déjà un premier tour ici. Là, ça, c'est niveau 4 et moins, donc il faudra aller chercher l'autre. Invocation de Inashishi. Onishishi. Pour invoquer Kunamzan. Comment on pourrait changer le nom de Kunamzan? En quoi on pourrait changer son nom? Pour que ça aille avec le lore. Le vrai lore. Onishishi. Oni-chan. Sobre, il passe des LV max en 2 heures de live. Kanzaki Kui. Et hop, on active l'effet. On invoque le niveau 5. Et hop, invocation spé. Wow! Qu'est-ce que j'allais faire? Bon, après, c'était pas si grave. Et invoqué en position de défense. Hooray! Passe-moi ça en mode attaque. Gros 1. Nice. Ah, je l'ai mis au milieu encore une fois. Ça me portait préjudice. Il y a une logique pour les numéros des Karakuri, je sais pas. Je sais pas du tout. 0, 0, X.
Pauline, ajoutez un héros depuis votre deck à votre main. Je vais attendre avant de le faire puisque c'est pas si grave. Aussi fait une fusion. Pay to win. Il me dégoûte. Fusion Neos. Un OTK en approche. Changeur AD. On va attendre un petit peu. En vrai, monsieur. Héros favori, c'est un petit peu. Oh non, ça c'est trop chiant, héros favori. DLV max c'est 20. Tago. Comme ça il est en défense, je prendrai pas trop de dégâts. Je peux draw un. Hein. Je peux toujours pas cibler son monstre. À quand les OST de Sevens dans la playlist Duel Links, quand ils sont CD? Il y en a certaines qui sont déjà dispo. Nissan, non. Ah, j'aurais pu le laisser mourir en vrai. J'aurais invoqué un synthétiseur. Il me restait beaucoup de synthétiseurs. Ah, il m'en restait un. J'aurais invoqué un synthétiseur. Ça c'est ma foi intéressant. C'est ma foi intéressant ça, héros favori. Ah, j'aurais dû retirer du jeu Neospace, non? Ça a enlevé tous les effets. Il a quand même 3100. Et... ouais, c'était peut-être même mieux de faire ça sur l'autre. Safe play. Ça. Je pense qu'à un moment j'ai ruiné. J'ai changé en position d'attaque. Donne-moi le Karma Cut. Ça reste indécent. Ça reste indécent quand même. Ça c'est l'âme des les cartes. Hein. Une 2 chances sur 10. Bon monsieur là, c'est quoi votre carte? Changement de masque. Oh non, il invoque... Il divise par 2 l'attaque d'un monstre, c'est ça? Il va diviser par 2 l'attaque du Karakuri. C'est un monstre, hein. C'est l'autre, c'est la fusion qui divise par 2. Ouais. Donc c'est juste actuellement. Ok. Ah non, c'est ça, tu payes 500, tu renvoies une carte à la main. Oh non, il va renvoyer la réduction. Yes. Bon après, il a peut-être une... Ah non, il a deuxième fusion Neos, en plus. J'aurais beau me charger du premier Neos. C'est depuis le cimetière. Hein. Karma Cut, c'est carte du cimetière. Je me suis dit, bah... Imagine, ça retire du jeu même les monstres du même nom sur le terrain. On se calme. Ah!
Mince, j'ai pas lu. J'ai cru qu'il y avait les tutos. Bon après, est-ce que je m'en sortais? Pas vraiment. Donc aussi, après j'avais Onishishi. Il manquait des ressources. Hein. J'ai faussé le coffre. Oh, c'est pas grave. On remonte. Hein. Bon, si jamais on se fait des ranks, on arrêtera le live et on essaiera de passer des LV max plus tard, ou alors je le ferai hors live. Regarde les plays de ton adversaire, Alex. Remonte, ouais. En 2 heures. J'ai oublié de mettre le playmat. Le playmat. Bon. Alors, on va mettre la tago après. Hein. On fait d'abord Inashishi. On a déjà l'autre, donc ce qu'on va aller chercher, c'est... On a déjà Atago, donc il va falloir le parchemin d'anatomie. Parchemin d'anatomie. J'adore vos pronostics à chaque fois. Alors, est-ce que ça va être Shiranui, clair de lune? Quel va être le deck en face? J'aurais dû aller chercher un monstre de niveau 4 d'ailleurs. Ok, on va mettre ça, on va mettre ça. Moi je colle la métaphysique, allez. J'ai draw 2 de toute façon, voilà, je vais invoquer lui. Position de défense. J'active l'effet. Ah mais non! Je pouvais faire mieux, je pouvais même faire mieux. Je pouvais l'activer ça. Coffre-fort Karakuri. J'ai oublié mon coffre-fort. Ulto, tu repasses en défense. Tu vas m'aller chercher Onishishi. Jouer Léo en 2020. Laissez Léo tranquille. Ça, niveau 2. Invocation. Qu'est-ce que je commence à avoir chaud là? Double Atago. Je pense que le mieux c'est double Atago. Elle est Trickstar. On prend la concentration d'un homme. Draw 2. Oh! Oh, hey, mec, s'il passe! Franchement! Franchement, au secours! Si je perds, je baisse un DLV en plus. Dommage. Alors j'ai quand même 2 Atago et une réduction. Frère, s'il passe à un moment, j'y peux plus, je ne peux plus rien faire. Oh là 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 là. Bon après, s'il a ça, c'est compliqué en fait. Ah, Trinade. Trinade Attack. Les mortuaires. Eh bien, c'était Protecteur du Tombeau. Personne n'avait call Protecteur du Tombeau. Voyons, les gars. C'était évident, quand même. C'était tellement évident. Atago. C'est pas trop le bon call, ça, non? C'était pas un bon call, ça. Bon, après, je la mets en position de défense, je m'en fous. J'essaie de faire.
Mais oui, je pouvais juste banish en fait. J'avoue que c'était pas le bon call. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Oh, bordel, c'est pas ce que je voulais faire! Je voulais le mettre en position de défense! Heureusement que l'adversaire n'a plus rien. Heureusement qu'il n'a plus rien. Hop, vas-y. Ah mais oui, je voulais jouer à Tago sous Valet, c'est vrai. Bon bah, c'était le bon call alors. J'ai pas mis play. J'ai pas mis play, tout était prévu. C'était la seule chose que je pouvais faire. Yes. C'est le BM. Ça s'appelle du BM, ça. Et l'OTK. Et que moi qui ai un bug, oui. Change la qualité, fait F5. Voilà. Vous avez call Witchcrafter? C'est Odion. Witchcrafter Odion. Ça va, ils ont cahier. Troisième cyclone cosmique. C'est quand même déjà pas mal. Bon après il y a des trucs qui s'activent. Est-ce que c'est un deck full piège? Petit e-saber. Ouais je pense que ça va être Trap Monster. Deck Uria Witch Raid. Chira de plus. Ça pourrait être un bon Shiranui, ça. Ça. Encore un monstre. Si c'est un monstre, laisse-le se faire retirer du jeu. Ah non, il est obligé de l'activer. Ah, c'est un Subterreur. Hop. Juste Trap Monster Stall. Tu descends dans l'échelle, Elec. Désolé de te décevoir. Allez, Ninichi, là. Ninichi, le coffre-fort Karakuri. Et la carte... Ah, ça chain. Ça chain toujours, donc is ok. Ça veut dire que c'est pas une force de Miranda Noyade. Il y avait Trap Monster. Non, t'as dit full Trap Monster. Alors? Ah non, t'as dit Trap Monster Soul. C'est pas un Soul. J'ai rien dit. Non, on se calme. Pas de question. Je vais faire des erreurs. Du coup, c'est quoi la carte face cachée qu'il a là? C'est encore un monstre piège? On attaque. Il m'énerve avec sa carte qui chain. Pas guess totalement, mais l'idée est là, même si ça montre quelques points, mon QI a augmenté. Ouh. Ouh. Invocation spé, le bourreille, bourreille plutôt. Voilà, j'active l'effet du bourreille d'eau. Donc normalement, même si c'est un monstre piège, on termine le monsieur. Normalement. Du coup, moi, ce qu'il faut que j'invoque, c'est Nissamu, position de défense. Trap perfide. Incoming. Ah, il joue quand même beaucoup de cartes pièges pour un deck qui jouerait Trap perfide, quand même. Ce serait dingue. Une comanque. Une comanque. J'avoue que c'est... Non, c'est vraiment pas nécessaire, je vais pas l'activer. J'activerai durant le prochain tour adverse. C'est pas nécessaire de faire ça.
Surtout que ça chain, hein, donc bon. Attaque 2004. Ce serait marrant qu'il ait cerf-volant-roïde en main en plus de ça. Un monstre plus cerf-volant-roïde. Attaque à 2800. Tu ne ferais pas l'erreur, hein. Là, tu vas invoquer ton monstre. Là, tu motives d'angoisse. En 200. Continue d'attaquer. Oui. J'attaque. Alors, c'est quoi, là? Il faut que je gagne 2 duels? Exact lethal. Belle OTK. Et j'aurais pu cesser, mais c'est pas nécessaire. Et en fait, si c'était genre un truc qui... Puisque ça chainait de toute manière, donc ça... J'aurais activé Cyclone Cosmique, il l'aurait activé en retour. Ça m'aurait juste fait gâcher 1000 points de vie. Alors que là... Genre, à la limite, j'avais l'OTK, puisque je me doutais bien que ça allait être un monstre. Je le détruis. Et après, je peux éventuellement OTK. Mais si... S'il survivait, il allait reposer un piège, et j'allais le retirer du jeu durant son tour, et comme ça, il pouvait pas le chain. Tout est encore possible. Oh, un deck noir. Ouais, ouais, un deck noir qui a fait ça. Hein. C'est incroyable. Coffre fort caractère. Permets-moi d'aller chercher une chichi. Yes! Merci de nous faire gagner du temps. Let's go! Let's go! Là, c'était vraiment un deck harpy. Non, mais je pense que c'était vraiment un deck L noir qui avait brique, mais comme jamais. Genre. Comme jamais. Et du coup, bah, il a vu que j'avais la combo. Pff, ça sert à rien, j'abandonne. Je pense pas qu'il a misplay ou quoi. Hein. C'est juste qu'il a la pire main ever. Il devait avoir la contre-piège L noir plus... je sais pas quoi. Et que sa maman, mon 7 Pinaki, ne va pas suffire. Allez, le passage des LV Max. En plus, l'adversaire est en série de défaites, là. Faut le soulever. Bon, concentration. Concentration, j'ai déjà une réduction de karma. Je vais chercher le parchemin. Active. Attention. Hein. Je ne parle pas avec le chat. Concentration. Plus 2, vas-y, nous allons faire notre bourré comme on a l'habitude de faire là. Écoutez l'ex et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'invoque le Nishi. Position de... peu importe. Hop, activer l'effet de l'augmentation de niveau. Ouais, j'ai... Parce qu'il est en mode position de défense. Ah, ça donne plus. J'invoque lui, activer l'effet. Je vais aller chercher un Atago. Et nous allons faire Destructeur Samouraï. Oup, oup. Gros 2. Ça va. Ça va. Mais du coup, c'est Neocin Vogt en face, non? Alors, monsieur, non. J'ai envie de vous dire que... Non, en fait. Ça ne passera pas. Je ne te laisserai pas. S'il fait la fusion Néo, ce G, moi, réduction de karma. Hein.
Ok. Ok. Oh, 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 oh boy. Qu'est-ce que c'était face cachée. Qu'est-ce que c'était face cachée. Il joue pas cerf-volant ruide. Il joue pas cerf-volant ruide. Hop. Bon après j'ai même pas besoin. Il on va jouer à la sécurité mais bon il a pas cerf-volant ruide. Hop, attaque avec ça. Bon arrête de t'activer par contre. Vas-y s'il te plaît. Hop, hop. Voilà. Mais oui, c'est... non mais je préfère m'assurer. On est d'accord qu'il ne peut pas voir avoir cerf-volant ruide avec son vieux deck avec full carte semi-limitée. On est d'accord. Ouh. Boom. Let's go. Oh là là, passage des LV max avant la fin de la seconde, de la première phase. Et... Du coup, pour ceux qui se posaient la question, après le DLV Max, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les récompenses de la deuxième phase qui sont juste ici. Et bon, le but, c'est de faire un petit peu de résultats. Genre, je dirais, mets-toi dans le top 10 000 pour avoir les deux tickets de enfin, les deux tickets prismatiques SR. Même si je pense que... Ah non, il y a des trucs qui sont manquants. Ah oui, il y a pas mal de cartes que j'ai pas en x3. C'est juste ça l'objectif, après il faut faire le top 1000, mais bon c'est autre chose. Hein. Moi mon objectif c'est d'être dans le top 10 000. Et encore, je sens que je vais pas faire ça. Il a réussi à DLV max en 30 minutes, et pas en 2 heures à partir du DLV 19. Poggers. Oh, 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 hey, oh. Du coup, pour fêter ça, eh bien vous pouvez eh bien, vous procurer le nouveau playmat charmeuse. Eh bien, sur mon site lukisan.fr, hein, je vous le remets, hein, je vous le remets, je sais que vous le voulez. Hop, 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 regardez ça, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore. Oh, je l'adore. Hop, maintenant Road to Cog. Ouais, alors, je réfléchis, mais samedi, je pense qu'on fera quand même la seconde phase de la KC. Donc, je le rappelle, les lives de cette semaine, c'est genre... Over the Nexus jeudi à 20h30 où on fera tout ce qu'on ne pouvait pas encore faire dans le mode principal. Où il y a des trucs qu'on pouvait faire et qu'on n'a pas fait. Tous les trucs qu'on n'a pas fait quoi. Vole la sucette, et oui, elle vole la sucette de la pauvre Win. Et du coup, Duel Links la semaine samedi à 14h. Et la semaine prochaine, ce qu'on fera, on fera un Road to Cog avant l'arrivée d'Exal. Et surtout, Konami font une conférence au TGS, au Tokyo Game Show. Et ce sera, je crois, du coup, samedi à 13h, pas cette semaine, hein, la semaine de prochaine. Donc du coup, on essaiera de regarder ce stream. Et on verra... Road to Cog à l'hôpital. Du coup, on regardera le stream. Et... Comme ça, on pourra faire un react à l'arrivée de Zexal, j'imagine. Normalement, c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la promo de... Enfin, qu'ils vont mettre le trailer du Nouveau Monde. Voilà. Ouais, et en plus, il y a Atlus le 24. Le 24, ce sera du coup jeudi. React Zeral. Atlus Sega pour Persona, mais franchement, si c'est le cas, franchement, il faudrait qu'il fasse ça, pas avec Catherine, là, j'en ai marre. Arrêtez de nous mettre Catherine, Atlus. On veut Persona 5 Scramble. On veut du Scramble. Du coup, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce live DLV Max, enfin. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer le nouveau playmat charmeux sur mon site lukisan.fr. Le lien est dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Et pour vous, sur le live, c'est juste ici. Je l'ai mis deux fois puisque je ne respecte rien. Une heure de gameplay de Catherine. Oh mon dieu. Ce serait terrible. Et sur ce, voilà, on se retrouve demain pour ma nouvelle vidéo sur Duel Links par rapport au deck Xyz, au deck qui pourrait être meilleur avec les Xyz. Et jeudi pour le prochain live. Allez. Bonne fin de soirée tout le monde. Allez, à plus.